Bonjour à tous. Soleil et chaleur pour la moitié nord, alors que pour la moitié sud, c'est une dégradation orageuse qui va se mettre en place à partir de 17h. Pourquoi? Parce que nous avons donc cette dépression qui circule actuellement sur l'ouest de notre pays, qui fait remonter mécaniquement de l'air chaud. On voit cette masse d'air rouge. Mais au cœur donc de cette zone de basse pression, eh bien, on a de l'air beaucoup plus froid. Résultat, air froid, air chaud. Ça donne donc, vous le savez, à ces orages. Quelques orages qui éclatent d'ailleurs depuis ce matin du côté des Pyrénées. Donc cet après-midi, ce sera plutôt des averses orageuses. Toujours entre les Pyrénées, en remontant ici vers l'Aquitaine, le Pays Basque également. Et puis à l'avant, on aura ce ciel voilé assez dense entre la Bretagne en descendant vers la Méditerranée. Et sur la moitié nord, comme je vous le disais, ce sera du plein soleil. Les températures cet après-midi, ça augmente. Il faisait 25 degrés hier à Paris ainsi que du côté de Tours. Donc vous voyez qu'en l'espace de 24 heures, on va gagner localement jusqu'à 4 degrés. Ça va baisser un petit peu dans le sud-ouest. Au passage, des orages. Des orages donc très forts attendus dans la soirée. Ils vont continuer de remonter vers la région Poitou-Charentes, Pays de Loire, vers la Bretagne également en cours de nuit prochaine. Ils s'annoncent donc localement forts avec du vent et de la grêle. Soyez très prudents. Et donc, à nouveau, ces orages qui continuent un petit peu leur route demain matin. On retrouvera ces averses orageuses entre la Normandie en descendant vers la région centre. Quelques averses orageuses ici du côté du Roussillon. À l'avant, ce sera toujours donc très ensoleillé dans le nord-est. Et puis, dans l'après-midi, les orages donc vont concerner cette fois-ci la Normandie, le bassin parisien vers la Bourgogne. Ils vont perdre un petit peu en activité, donc parfois on aura quand même quelques belles éclaircies. À noter une ambiance électrique aussi entre le Roussillon et les Alpes. Partout ailleurs, ce sera assez instable, excepté près de l'Atlantique avec le retour de belles éclaircies. Les températures en matinée, on sera entre 9 et 17 degrés. Et puis dans l'après-midi, ça va baisser quasiment partout, excepté dans le nord-est où on aura encore 27 degrés. Bel après-midi.